Bonjour à tous et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de moi-même, l'Infernal. Une image mal découpée, un reflet dans une portière, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui, je vais vous parler de The Car, un court-métrage réalisé par nos amis de Arrête où mon geek va tirer. Ce court nous raconte l'histoire d'un jeune homme empris avec un démon qui squatte sa caisse. Jusqu'ici, tout va bien. J'accélère un peu. Et là, vous avez vu? En plus, ils doivent aimer Canon, hein? Pourquoi? Je repasse. Et là, sur son t-shirt, je retourne l'image. Et OS, comme l'appareil photo. Ouais, je sais, j'ai l'œil. Le court-métrage suit son cours, et un peu plus loin dans l'histoire. Vous avez vu? Attendez, j'agrandis un peu. Eh ouais, on voit nettement le cadreur dans le reflet du réservoir. Dans cette scène, le héros se fait agresser par son lui. Vous avez vu? Attendez, je vous le repasse. Là, on voit nettement que l'image s'arrête. Eh ouais, on comprend bien que pour faire cet effet spécial, il a fallu qu'il se dédouble. Passons sur cet effet spécial du plus bel effet. Et attention, quelques secondes plus tard... Vous avez vu? Moi je l'ai bien vu en tout cas. Bon, je vous le remets. Et là, on voit nettement la main du cadreur qui tient la caméra avec sa main gauche dans le montant de la portière. Et ouais, je sais, j'ai l'œil. Dans cette scène, on voit le héros qui se tue lui-même en quelque sorte. Est-ce que vous avez vu? Allez, je vous le remets au ralenti. Oh là là, le joli ballon de baudruche jaune. Dans la scène qui va suivre, on voit le héros qui se fait lui-même sauter la tête. Mais ouais, mais faut suivre un peu, hein. Et là, hop, si je fais arrêt sur image, on voit nettement que c'est découpé un petit peu bizarrement. Mais passons. Pour finir le cours, le méchant emmène notre jeune homme en virée dans sa voiture. Et attention, il en reste un petit dernier pour la route. Là, on voit nettement le cadreur entre les autocollants. Et ouais, je sais. Allez, c'est la fin de Faux Raccord. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, merci à toute l'équipe de Arrête où mon geek va tirer pour leur humour. Allez, à bientôt.